Allez, l'avant-dernière séance de la saison, c'est parti. La grande remontée et un circuit qu'on aime beaucoup. On pourrait gagner ici. La piste convient bien, la voiture aussi. Donc on va voir ce que va donner la qualif. On a rempli tous les programmes en mauve pendant les séances d'essais libres. Ça nous a pris un peu plus de temps pour y arriver. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait collecté le maximum de points pour préparer l'année suivante. Mercedes devant. Qui nous rappelle un peu à l'ordre, c'est une Williams qui est devant et qui va s'écarter. Et non pas une Mercedes. Deuxième partiel plus sinueux. J'ai opté pour une voiture avec une bonne vitesse de pointe. Très important pour pouvoir doubler. Et c'est vrai que voilà, dans les virages lents comme ici, là j'ai pris beaucoup de temps. On peut se rattraper. DRS ouvert. Et alors le chrono. On reste bien à gauche. Et on se met 9e avec quelques erreurs sur ce tour. Alors à l'issue de la séance, Pierre Gasly a été le plus rapide. Nous on est un peu plus timide, mais on a commis quelques erreurs tout de même. Pas de surprise pour l'instant aux avant-postes et parmi les éliminés non plus. Les pneus tendres pour la Q2. Une voiture un peu plus légère. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire et user sans doute un peu moins les gommes. Mais difficile de faire un tour rapide ici sans aller sur les vibreurs. Et donc entamer un petit peu plus les pneus qui nous serviront pour le premier relais. Je parle comme si j'étais déjà en Q3, mais sincèrement, je vois pas comment je peux ne pas y aller vu le comportement de l'auto. Un peu de vibreur ici dans la remontée. Ah, et à partir de Ferradura, voiture un petit peu plus délicate à faire virer dans les changements de direction. Pour le reste, ça va. Allez, on remonte maintenant à fond toute. Et une seule tentative dans cette Q2 pour conserver un maximum les gommes. 2 minutes remaining in the session. We need a good lap here or we're out of qualifying. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, le meilleur temps devant Pierre. Une 7-0-25. On est bien mieux que lors de la Q1. Ah ouais, un tour quasiment exempt de tout reproche et surtout très coulé comme j'aime. Donc, ça correspond au setup et au circuit. C'est parfait avant l'attaque de la troisième séance de qualif. La deuxième séance confirme que Yaros est dans le coup. Et surtout, il y a un événement très important pour la suite de la saison. Alors, regardez. Tout d'abord, Hamilton, le plus rapide jusque-là, pas de problème. Un dixième, on compte les deux Yaros dans les talons de Hamilton, donc peut-être pas impossible qu'on aille nous chercher la pole, ça ferait du bien, surtout face à Hamilton du coup. Mais par contre, Verstappen et Bottas sont en médium, donc il faudra vraiment s'en méfier, parce que Verstappen a réussi à passer en Q3 avec les médiums, donc s'il met des tendres, ce qu'il va faire en Q3, attention à la stratégie du pilote néerlandais. Quant à Sainz, il sera 14e avec la même stratégie. Tout se joue maintenant peut-être l'une des dernières poles de la saison avant Abu Dhabi. On va voir ce qu'on peut faire sur un tracé rapide, tortueux, mais coulé. L'entrée dans les S de Senna. La voiture qui est bien mieux en changement de cap. DRS ouvert, on est bien, on est très très bien. La piste est libre, il y a pour l'instant seulement une Alpine sur le circuit. Un peu lourd sur le frein moteur. J'ai changé quelques éléments d'ailleurs du moteur pour gagner un petit peu de fraîcheur. On fera un point à avoir Abu Dhabi pour avoir la voiture dans les meilleures conditions possibles. Concentré, concentré, mais la voiture glisse bien. Peut-être un tour de pole position là entre les mains. Ça va, pas trop de sous-virage dans le dernier gauche. Maintenant, on remet toute la puissance. Alors, j'espère me situer en première ligne. Allez, 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 allez.
Et on est en pole pour l'instant. En une 6-912, c'est un très beau tour qui pourrait nous garantir la pole. Reste à voir maintenant si Pierre pourra rester à nos côtés ou si Verstappen vient s'immiscer entre nous. Quelle séance incroyable. Les deux Yaros en première ligne, c'est la première fois qu'on y parvient depuis le début de la saison. Et pourtant, nous n'avons pas la meilleure voiture. Mais sur le circuit, je sentais bien qu'on avait quelque chose. Pierre est en pole, c'est incroyable pour Pierre. Et nous, on est juste derrière, donc on va essayer de pas trop baquer Pierre. Mais peut-être que la stratégie peut être intéressante face à Bottas et surtout face à Verstappen et Hamilton. Donc les deux candidats au titre, à savoir nous et Verstappen, sont pour l'instant sur les deux premières lignes. Donc ça promet de très belles choses pour la course. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son troisième titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paulistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des deux zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu du rookie. Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais seront-ils renouvelés cette performance ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Pierre Gasly part en pole position et le rookie complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Bottas, Verstappen, Lewis Hamilton et Leclerc, Norris, Kvyat, Ocon et Daniel Ricciardo, Aitken, Perez, Alexander Albon et Grosjean, Stroll, De Vries, George Russell et Antonio Giovinazzi, Latifi, Magnussen, Zhou et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Situation idéale pour l'équipe à l'entame du tour de formation, notre première qualif 100% réussie. Je pensais qu'on allait nous shipper la pole, mais c'est Pierre qui nous l'a récupéré, donc c'est parfait. Première ligne orange avec derrière Bottas, notre rival en termes de popularité. Hein, c'est lui notre opposant cette fin de saison. On n'a pas réussi à le battre lors du début d'année puisqu'on a fait un 30 à égalité. Verstappen, le leader du championnat, est derrière, mais surtout il est en médium, donc ça aussi il faudra surveiller. D'autant plus que si Hamilton prend un bon départ, ça pourrait être intéressant pour la suite de ce Grand Prix du Brésil. Pour le reste, eh bien, tout est en place. Pas de pluie annoncée par Jeff à la radio. On va essayer que l'équipe reprenne un maximum de points au niveau de la lutte pour le classement équipe. Mais bon, avec les deux derrière en médium, c'est pas impossible que justement ça fonctionne. Même si les deux autres partiront plus tard dans le trafic. En tout cas, moi je suis chaud bouillant. J'ai hâte. Très hâte de battre le fer tant qu'il est chaud et de voir si on peut continuer sur notre élan. En tout cas, Pierre est en mesure de faire le travail, plus que Codemaster de finir les tours de formation sans qu'on se transperce. En tout cas, une première ligne 100% Yaros, le S de Senna, des risques de safety car. Bref, ça donne envie le programme de ce Grand Prix d'Interlagos. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. La procédure de départ. L'extinction des feux ici à Interlagos. Un très très bon envol par rapport à Pierre. Oh, faut surtout pas qu'on le touche. Oh, on est côte à côte. Attention que ce ne soit pas Bottas qui en profite. Ouais, on va protéger à l'intérieur. Très bon envol pour nous. En tout cas, on a réussi à tenir les Mercedes derrière Bottas, Hamilton et Verstappen qui a été dépassé par le Britannique. Excellente entrée en matière dans ce Grand Prix d'Interlagos. Et le soleil qui nous rejoint alors qu'on quitte l'espace devant les stands qui est
sous l'ombre de la tribune principale. Pour l'instant, au classement constructeur, c'est plutôt pas mal, puisque Verstappen s'est retrouvé repoussé au 6e rang du Grand Prix, derrière Lando Norris et devant Charles Leclerc, le mieux placé des pilotes Ferrari. Départ plutôt compliqué, mais on est quand même en tête avec les deux voitures. Et on commence à s'échapper déjà une section de 9 dixièmes entre nous et Hamilton et Bottas. C'est parfait, il faut qu'on file. Meilleur tour pour Pierre à l'issue du premier passage, c'est logique. Il tourne bien pour l'instant. Le Français va essayer de s'échapper à deux. C'est pas infaisable. Faut juste pas que je ramène les Mercedes dans les échappements de la deuxième voiture de l'équipe. Mais jusque-là, tout me semble intéressant. Par contre, au niveau stratégique, il faudra bien veiller à qui rentre en premier ou en dernier. Je suis bon, hein, au niveau des pneus. On ne dépasse pas la fenêtre de l'utilisation dans la stratégie. Donc c'est déjà une bonne chose. Pierre qui est à une seconde 2, donc on n'aura pas de DRS sur Pierre. Cependant, Bottas non plus. C'est bien, on s'échappe pour l'instant. Là, pour le coup, une safety car ruinerait nos efforts, donc on tape dans les pneus. C'est assumé. 13% sur les gommes. Donc pour l'instant, maîtrise totale de la piste. La monoplace, un peu chaud. Vous voyez qu'on a un moteur à 10%. Ça, c'est le moteur qu'on a rajouté à Singapour qui nous a bien servi. Là, on a repris le troisième moteur en fait qui nous était alloué initialement pour la saison. Alors attention, puisque Bottas est revenu et il y a le DRS. Ah, il faut se méfier de ça. Oui, parce que nous, on ne l'aura pas sur Pierre, par contre. Oui. Vraiment qu'on garde un œil là-dessus. Mais Bottas, du coup, oui, qui a fait la jonction. Il faudrait que Pierre nous aide un petit peu. Revenir sur lui et surtout à se détacher de Bottas, parce que maintenant qu'il a le DRS, on s'en dépêtrait. Ça s'annonce comme une toute autre mission. Jeff est content pour l'instant de la gestion de l'auto. Donc, moi aussi. Et voilà, c'est à partir de ce droit de Ferradura que je tends à perdre la voiture dans les virages lents. Hein. C'est le talon d'Achille de l'auto, je le dis à chaque Grand Prix, mais c'est là-dessus qu'il faut bosser. Oh, la balance de frein là aussi. Ça devient difficile. Hein. Cinquième tour de course. Pierre qui a 3 secondes quasiment. Oh non, 2 secondes 2, ça va. Je le voyais plus loin. Bottas en médium derrière qui doit tenir. Contre Hamilton entendre. On va bientôt avoir ses pneus qui s'écroulent. Six dixièmes dans la remontée. On a fait un bon premier partiel, je sais pas ce que ça va donner au niveau du record du tour peut-être. Non, pas pour nous. Oh, il est là Bottas, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu, noir dans le noir. J'avais pas vu la Mercedes. Oh, que ça aurait pu très mal terminer. Par contre, il est ultra bouillant. Ouais, là je peux rien faire. Là, de toute façon, face à Bottas, je me défends, mais
sans plus. Hop, et Hamilton qui passe, Bottas. Et qui se fait repasser par Hamilton maintenant. Ouh là 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 là. Ah oui, donc on a maintenant Bottas et Hamilton derrière dans le bon ordre. Voilà, les deux Mercedes qui se sont en plus échangés les places. Alors pour l'instant, je fais un peu la course de Pierre. C'est absolument pas volontaire parce que je suis en train de perdre mes gommes. Encore deux boucles à faire avec ces pneus-là. Ça s'annonce vraiment pas simple. Ouais, c'est vrai qu'on va utiliser pour toute la remontée le bouton overtake. Ce sera intéressant. Alors, il faut vraiment que je réfléchisse pour la stratégie par rapport à Pierre. Parce qu'un undercut serait possible 3 secondes et demie. Hein. C'est pas insurmontable. On sera effectivement sur les médiums, mais par contre, on est en train de retenir un petit peu la deuxième moitié du peloton. Faut être clair. Ils ne sont pas non plus collés derrière moi. Hein. C'est juste dans les parties sinueuses où ça resserre un petit peu les rangs. Donc on est bien devant Bottas, Hamilton, Norris, Verstappen et Leclerc. Et ensuite il y a un gouffre pour retrouver les deux Alpines, Ocon et Kvyat. En attendant, on continue de tourner sans se poser trop de questions. Les pneus tiennent. 29% quasiment à l'arrière droit. Il va finir par passer l'ami Bottas, mais avec les médiums, c'est normal, il est plus à même de tenir pendant encore 3 ou 4 tours. Alors qu'en est-il de la stratégie de Pierre? On doit faire encore 2 tours avec ces gommes-là. Ça a commencé à s'annoncer délicat. You've lost some time to the car behind. On a perdu du temps effectivement par rapport à la voiture derrière. Pas faute d'essayer de le garder ce temps. 4 secondes pour Pierre. Qui s'envole avec les mêmes gommes que nous. Pourtant on les a bien conservés à l'issue de la Q2. Mais là je pense qu'il fait un peu plus chaud. Et la fenêtre d'utilisation n'est pas la bonne. En tout cas j'ai du mal à tenir mes gommes. Ça c'est certain, c'est le problème pour le moment. Surtout que Bottas, lui, n'a pas encore des gommes totalement usées. En médium, il est plus rapide. C'est la fin de notre relais, c'est normal. C'est là où il devrait en profiter, en tout cas pouvoir essayer de nous dépasser. Mais dans les parties sinueuses, c'est pas possible. Et dans la vitesse de pointe, le moteur Honda est meilleur que le Mercedes. Donc dans l'ensemble du circuit, c'est compliqué. Par contre, on crée maintenant véritablement une retenue du peloton. Il faudrait que le bouchon saute, mais ça, c'est le travail de Bottas. C'est pas le nôtre, au contraire. Avec le RS et le reste, et ça rentre pour Bottas. Et donc Bottas qui rentre avec les médiums, ça c'est intéressant. Pierre n'est pas rentré, nous non plus. Est-ce qu'on peut espérer peut-être faire un double arrêt chez Yarrow? Pas improbable, pas improbable du tout. Alors Hamilton lui aussi a le DRS du coup, puisqu'il est même avec l'absence de Bottas assez proche pour en profiter. Oh, ce serait un coup de génie là d'aller faire le double arrêt chez Yarrow. Là, on a quand même fait 9 tours avec ces pneus-là. Alors, avantage à Pierre, qui est évidemment le plus rapide dans cette situation. Il faut qu'on fasse un bon arrêt. En fait, si Pierre fait un... Hop, et on s'est loupé. Attention, Hamilton, il doit être à gauche, oui. Ouh, on lui laisse la place. Hein. Faut juste que je réussisse à braquer. Il est toujours là, hein, Hamilton. Côte à côte. Reprend un peu plus de motricité et on repasse la Mercedes. Oh, que c'est chaud. Que c'est chaud. Moi je peux pas faire un tour de plus avec ces gommes là. Je rentre. Et Pierre qui continue. Donc on a bien fait de rentrer niveau stratégique. Pas forcément prêt chez Yarrow, mais c'est pas grave. On est dans la pit lane après 18 tours. Très bon arrêt, 2 secondes 3. On ne battra pas Red Bull, j'ai manqué de la perdre dans la sortie des stands. Oh là 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 là. Allez, pneus froids. Les couvertures chauffantes ne font pas tout le travail quand même. Hein. Et on ressort juste au niveau d'une Haas. C'est Nicolas Latifi qui est devant nous.
Magnussen. C'est Magnussen. Alors, on est derrière Magnussen, qui est le seul qui nous empêche de faire un outlap clean. Alors, il faut que Kevin soit dans notre camp pour ce coup-là. Alors, normalement, avec des médiums neufs, ça devrait le faire. Arrêt au stand pour Pierre. Maintenant, il faut voir où on en est au niveau de la Red Bull de Verstappen. Nous, on perd du temps. C'est incroyable ce qu'on est en train de perdre derrière Kevin. Allez, on va chercher l'ouverture. Et on passe légèrement aux chausse-pieds, je vous le concède, mais on est passé. De manière plutôt régulière, d'ailleurs, par rapport à Magnussen. Alors, est-ce qu'on aura le DRS? Non, c'est lui qui va l'avoir. Il va devoir rentrer. Voilà, meilleur tour pour Valtteri Bottas. 1.8.120. Mais écoutez, on va s'y atteler à ce meilleur tour en course. Pour l'instant, c'est Bottas qui est devant. Bon, il y a du trafic à la sortie de la pitlane. Il y a Verstappen qui est dedans. Nous, on est passé. Du coup, situation, Bottas n'est pas encore passé par les stands. Oh là là, Bottas qui nous a fait une stratégie exceptionnelle. En partant en pneus durs. En tout cas, un peu plus dur, les pneus médiums. Alors, on est bon, niveau mélange. On a encore une Haas à se coltiner. Nicolas Latifi, le Canadien. Attends, c'est pas possible que tout le monde... Ils sont déjà rentrés? Non. Pierre, il n'y a pas un écart comme celui-là. J'ai 5 secondes par rapport à Bottas. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme arrêt, là, le collègue, Valtteri? Incroyable. Ah, je suis bouche bée. Oh, et donc Bottas qui nous a passé. Avec un undercut exceptionnel. 5 secondes d'avance. Ah, je suis... sans voix. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Leclerc et Verstappen sont aussi passés. Donc on a fait... Quoi, on a fait vraiment une bêtise à ce point-là dans les stands ou... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve derrière tout ce beau monde? Avec des beaux écarts en plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, maintenant, eux sont en hard, donc on va pouvoir aller les rechercher. Allez, je peux pas me faire dévancer par Verstappen au classement pilote, c'est pas possible, il était perdu derrière. D'autant que je dois cautionner Hamilton dans mes rétros, et donc, en gros, là, j'ai tout perdu sans rien faire. Incroyable tout de même, cette outlap des deux, là. C'est un bel exploit, en tout cas. Je savais qu'on était bon chez Haas, Williams et Red Bull pour les arrêts, mais à ce point-là... Alors, DRS pour moi et pour Hamilton, ça va être compliqué là pour la Ferrari de résister. We're trailing our teammate by 9.5 seconds. 9 secondes de retard sur Pierre qui va sans doute aller gagner la course, ça c'est très bien pour le classement constructeur. On va essayer d'aller chercher la Ferrari, ce que ne pourra pas faire Hamilton. Leçon pour l'instant des pneus hard de Bottas est en soft, donc Bottas il va être intouchable sauf si safety car. Sauf si safety car, Bottas c'est fini. Verstappen par contre là aussi ça va être un sacré sketch. On n'a pas fait notre plus belle course de la saison, il faut autant être honnête. Peut-être un problème au niveau du setup aussi qui n'a pas été adapté. Sur la longueur d'un stint. Okay, battery's looking good. You can use overtake to get past. Il y a 8 dixièmes Leclerc, 8 dixièmes. Bon, il va se faire menacer, peut-être même dépasser par Hamilton. Et c'est fait. Dépassement de Lewis. Il a l'air un peu plus dangereux hein, pour nous, avec les mêmes gommes. Ah, si on n'est pas sur le podium, je vais l'avoir mauvaise quand même.
Bottas maintenant qui est léger, a le meilleur tour en course. C'est vraiment pas bon sur beaucoup de points. Bottas qui enfonce le clou, un meilleur tour pour le Finlandais avec ses pneus tendres. On tourne bien. On tourne bien dans notre rythme par rapport à Verstappen. Qui pourrait être donc titré aujourd'hui. Ça lui suffirait, hein, cette deuxième place. Largement. Il aura fallu attendre 3 saisons pour avoir un champion du monde qui ne sera pas un pilote Mercedes. Et toujours des blocages de roues pour moi dans ce deuxième parcelle des enfers. Ah, très déçu hein, de cette quatrième position. Surtout que Bottas est pas loin de Pierre. Ah, le rêve de la qualif s'est transformé un petit peu en retour à la réalité. J'ai manqué de la perdre. Oh, ça va pas suffire pour Hamilton. Ça va pas suffire. Oh, il va insister, Lewis. This is your final lap of the race. Dernier tour pour Hamilton. Il va falloir aller le chercher ici si on veut garder cette quatrième place, c'est important pour le championnat. On joue le tout pour le tout dans Ferradura. Et on va passer Hamilton ou pas? Est-ce qu'on va y arriver? On a la position sur la piste, il va croiser, bien joué. Et on reste devant pour le moment, en espérant qu'on ait assez de run. Avec la dernière relance pour rester devant lui. Parce qu'il avait réussi à nous passer juste avant la ligne. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Victoire de Bottas. Meilleur tour, pardon. Pour Bottas, j'ai eu peur. Victoire de Pierre. Pierre qui s'est imposé. Et nous, on va réussir à sauver in extremis. Mais vraiment in extremis, le pied du podium. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Voilà une nouvelle saison de Formule 1 qui touche à sa fin et nous avons un nouveau champion. Un nouveau nom qui fait son entrée dans la liste prestigieuse des pilotes les plus incroyables de ce sport. Nous avons pu observer de superbes batailles sur les virages emblématiques d'Interlagos aujourd'hui. Quelle magnifique victoire! Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. De cette avant-dernière course de la saison, victoire de Pierre Gasly, meilleur tour de Valtteri Bottas et Verstappen qui nous complète le podium avec des stratégies vraiment impressionnantes. En tout cas, on n'a pas su faire grand chose derrière Ocon sur l'Alpine, faire un bon résultat. Albon 9e, ça c'est aussi ce qui va nous aider par rapport à, eh bien, à Red Bull au classement constructeur. Justement, le classement général, Verstappen est désormais titré, 251 points pour le pilote néerlandais. On termine 2e à 42 points. Il reste une course, mais c'est surtout difficile d'aller changer quoi que ce soit. Donc je pense qu'on sera vice-champion, même si Hamilton, à mon avis, et Bottas, ça va être serré. Et surtout, on va peut-être aider Pierre à aller chercher une troisième place sur le podium. Ce serait parfaitement mérité. Lando Norris revient dans le top 10 avec 40 points. Classement constructeur, 3 points d'écart avec Red Bull Racing. Et McLaren, derrière, à 267 points de retard. Par contre, Mercedes, Red Bull et Yarrows, eh bien, ça se décidera lors de la grande finale à Abu Dhabi. Pour déterminer qui sera champion constructeur. Et celui-là, je compte bien aller le ramener. Alors, on accélère un petit peu le temps pour arriver
à Abu Dhabi. Quelques événements, les revenus hebdomadaires sont tombés. Et les dernières remises à niveau des voitures sont faites au niveau de la R&D, donc on ne va plus évoluer cette année. Je pense qu'on va pouvoir fermer peut-être d'autres départements. Alors, on a encore le budget pour améliorer peut-être certains points. Donc, pas cela en tout cas. Un petit, écoutez, 400 unités. On va encore améliorer une partie. Donc, on a quasiment rattrapé la moitié de ce qu'on avait comme développement pour le remettre en conformité pour l'année prochaine. Il nous reste un Grand Prix qui sera donc à Abu Dhabi. Au niveau des infrastructures, on ne peut pas fermer autre chose. Peut-être la durabilité, mais pour le peu que ça va nous coûter, voilà. Pour le deuxième pilote également, on reste deuxième voiture cette saison. On va voir un petit peu ce que va donner la progression pour l'année prochaine. En tout cas, quand on regarde un peu le bilan de l'année, avant la dernière course, on peut se dire qu'on a quand même remporté deux victoires cette saison. On est passé à côté de beaucoup de bons résultats, notamment en France, en Belgique et aux États-Unis. Encore une fois au Brésil aussi, on aurait pu faire deuxième. Donc globalement, une saison, on a toujours terminé dans le top 10. Pire résultat, Singapour pour le moment. Donc on espère qu'Abu Dhabi sera un dernier point positif pour cette troisième année de My Team. On essaiera de terminer en beauté avec un circuit qui convient plutôt à la voiture. En tout cas, j'ai peur pour le troisième partiel, mais au-delà de ça, on devrait bien s'amuser. Je vous donne rendez-vous pour la grande finale qui aura lieu donc à Yas Marina. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la fin de cette troisième saison. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans plein d'autres vidéos. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Salut.